Johnny Depp décide de porter plainte pour diffamation et réclame 50 millions de dollars. Il considère que cet article a fait de lui une persona non grata du cinéma. Non seulement les contrats juteux auraient été annulés, mais le téléphone sonne beaucoup moins pour celui qui était, il y a quelques années, elle, acteur le mieux payé des Hollywood. C'est, et tout elle, intérêt du pros pour les avocats de Johnny Depp. Contrairement à ce que certains pensent, ce pros zen, est pas criminel. Il ne s'agit pas de savoir si la violence a éclaté dans le couple. Johnny Depp incarnera le roi de France Louis XV dans le film « Il a favorite » et de My One RDV en 2023. Croisillon Johnny Depp Croisillon Cinéma Croisillon Johnny Depp vs Amber Heard Croisillon Actualite Croisillon Filmpic.twitter.com/ZHXWTAQHZ Cine Comic France June 1, 2022. Le tome a évidemment été abordé, certains des mensonges des Amber Heard ont été découverts, mais le ses droits d'auteur eurent du pros et de savoir qui a diffamé qui. Après plusieurs jours des un pros film, diffuse en direct sur les réseaux sociaux comme TikTok, le jury a finalement déclaré Johnny Depp vainqueur. Les membres du jury considérant elle, article comme diffamatoire. Elle, actrice doit donc verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari. Elle, acteur N, en sort pas blanc comme neige, puisqu'il doit également payer 2 millions de dollars à son ex-femme. Johnny Depp est critique pour avoir dit que cette tribune est un coup monde de la part des Amber Heard. N'était pas difficile de prouver que la carrière de Johnny Depp a considérablement changé depuis sa relation avec Amber Heard. Exemple, Johnny Depp n'a pas pu remplir un nouvel épisode de Pirates des Caraïbes, même si le contrat de 22,5 millions de dollars était prêt. Disney a préféré se débarrasser du comédien, de peur que les accusations portées contre lui ne nuisent au film. Voir comment la première partie des Animaux Fantastiques est recue, et surtout sa suite, dans laquelle elle, acteur joue un rôle majeur. Lorsque les fans découvrent que Johnny Depp fait partie du casting de ce spin-off de Harry Potter, de nombreuses voix élevant et indignes de le voir encore au travail après la publication de Elle, article. Résultat race. Johnny Depp et Viréen apparaît pas dans le casting de la troisième partie. Si Johnny Depp demande 50 millions à Amber Heard, c'est, et qu'il considère que c'est, et le montant qu'il a perdu. Une publication partagée par Johnny Depp quand ses allegations ont rapidement fait le tour du monde, disant aux gens que J était un danger, ivre, sous cocaïne, un homme qui, soudainement dans la cinquantaine, battait des femmes, c'est, et fini. Vous avez terminé, proclame-t-il. Le pros est maintenant derrière lui et Johnny Depp sort vainqueur. Pelonc, Hélène, est pas innocent et lave de tout soupçon en ce qui concerne la violence domestique possible. Johnny Depp pourrait revenir dans un film, y Pirates des Caraïbes, y selon un ancien dirigeant de Disney. Il y a tout simplement un potentiel trésor au box-office pour un personnage aussi aimé et profondément ancré dans la culture Disney, epic.twitter.com/nkoanm68sk, gag.fr, June 3, 2022d, autre part, son équipe a convaincu le jury que elle, article paru dans le Washington Post était. Un véritable tournant semble se profiler pour lui puisque Johnny Depp sera, à partir de juillet 2022, en région parisienne. Son téléphone sonne en effet à nouveau. Et c'est Emma Yuan, la réalisatrice et actrice française, qui lui a demandé de jouer Louis XV dans un film intitulé La Favorite. Le long métrage se concentrera sur la vie et la mort de Jeanne du Barry, la dernière favorite du roi, guillotinée pendant la Révolution.
C'est Emma-Yuan qui portera les traits de Elle et Rohan. Acteur aura la chance de donner la parole à des stars françaises puisque Louis Garrel, Pierre Richard et Némi Lvovsky sont au casting, selon Allociné. Emma-Yuan offre un joli coup de pub avec ce choix de casting. Après plusieurs années de critiques, Johnny Depp retrouve le soutien du public. Il y aurait un joli succès dans les salles françaises, et pourquoi pas à elle, internationale. Est aussi elle, occasion pour que Johnny Depp montre qu'il n'a rien perdu de son talent et qu'il parle couramment le français, une langue qu'il utilisait avec son ex-femme Vanessa Paradis.